Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant le tarot de Marseille et plus précisément des réponses à vos questions au travers du tarot de Marseille. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques qui nous contacte pour avoir une réponse sur une question, notamment sur l'achat d'un bien immobilier. Donc Jean-Jacques souhaite savoir s'il est possible d'investir sur un bien immobilier. Alors, on va commencer par mélanger le jeu, tout en se concentrant bien sûr sur la question de Jean-Jacques, voir si Jean-Jacques va pouvoir être capable, avoir la capacité de pouvoir investir sur un bien immobilier. Alors Jean-Jacques m'a pas donné beaucoup de détails, il y a juste un petit peu cela. Alors parfois la question mérite un petit peu plus d'explications, de savoir si Jean-Jacques a déjà commencé plus ou moins un petit peu des démarches. Ça peut aider dans le sens de la réponse et de l'interprétation du tirage, car je tiens à signaler qu'il ne s'agit pas d'une véritable voyance, comme vous pourriez savoir avec moi en cabinet ou bien par téléphone, mais il s'agit d'une lecture du tarot à travers une question bien précise. Bon, la question reste quand même précise, hein, faut pas l'oublier. Alors Jean-Jacques, sur le plan immobilier. Bon, c'est très bien, la carte du monde est une carte extrêmement positive, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une question de couronnement de la situation de Jean-Jacques, et cette carte donc permet effectivement le côté d'un investissement immobilier. Donc la question, déjà la réponse est déjà un petit peu là dans cette carte de coupe. Alors on va aller voir un petit peu plus loin sur ce tirage. Hop. Allez, on va étaler le jeu. Et on va se concentrer sur la question de Jean-Jacques, sur son investissement immobilier. Et on va choisir 4 cartes du tarot de Marseille. Alors la première carte, c'est la justice, la deuxième carte, le pape, la tempérance en troisième carte, et la dernière carte, la maison de Dieu. Très intéressant comme tirage. La justice, cette carte indique que Jean-Jacques est dans une phase un petit peu de démarche. Je suppose que Jean-Jacques a déjà fait des démarches sur le plan financier ou sur certaines démarches administratives, parce que ça ressort au travers de cette carte. Souvent, elle parle d'argent, de trouver un petit peu le juste milieu, le côté de, disons, un petit peu de l'équilibre, ou peut-être certaines démarches administratives ont déjà été faites. Donc je suppose, à la lecture déjà un petit peu de ce tirage du tarot, par cette première carte, qu'il y a déjà eu des démarches de fait pour Jean-Jacques au niveau recherche d'un bien immobilier, et peut-être que celui-ci a déjà trouvé effectivement quelque chose, même si pour l'instant rien n'est encore conclu. Alors la deuxième carte, c'est le pape. Le pape représente le côté masculin, le côté homme, aussi un petit peu de loi, hein. Ça peut aussi indiquer un petit peu ce côté-là. En tout cas, j'ai un peu l'impression qu'avec cette deuxième carte, Jean-Jacques, le projet n'est pas uniquement que pour vous. Ça représente un état d'esprit de couple, ça représente le côté installé, la vie un petit peu familiale. La troisième carte, eh bien c'est la tempérance. La tempérance indique votre état d'esprit, Jean-Jacques. Votre état d'esprit, eh bien vous êtes un peu prudent, vous y allez un petit peu doucement, vous avez peur de vous engager. Alors peut-être vous étiez dans une situation locative au départ, et aujourd'hui vous avez peur, vous avez une forme d'appréhension, de crainte. Vous y allez effectivement assez doucement, en tous les cas, vous pesez le pour, le contre. Voilà tout le symbole de cette carte de la tempérance. Bon, à un moment, il va falloir peut-être décider, passer à l'action. C'est peut-être aussi pour cela que vous vous interrogez au niveau du tarot et que vous me posez cette question, parce que vous doutez, parce que vous n'êtes pas effectivement sûr de vous. La dernière carte, eh bien c'est la maison de Dieu. C'est un symbole très positif, très important, et pas toujours une carte très positive en fait, ça dépend les tirages que l'on a, mais là, la maison de Dieu représente vous, le côté de l'habitation, Et le côté de l'habitation, bien c'est symbolisé par cette carte, la maison Dieu. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire à aller plus loin dans ce qui ressort au niveau de ce tirage, parce que vous n'avez pas posé la question, est-ce qu'il s'agit d'un appartement, d'une maison ? Moi, je dirais par rapport un petit peu à cette dernière carte, il pourrait s'agir d'une maison, d'un bien immobilier comme le côté d'une maison. Voilà, en tout cas, bien après quelques tourmentes, quelques formes d'hésitation, oui, Jean-Jacques, vous pouvez vous permettre l'engagement d'un investissement immobilier, ce à relativement très court terme, car je tiens à rappeler que ce tirage de quatre cartes parle sur un avenir relativement proche, vraiment la question du court terme. Voilà Jean-Jacques pour cette lecture divinatoire, et comme Jean-Jacques, si vous posez des questions, bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit formulaire via le site guidedelavoyance.com ou bien sur mon site internet stanislasdelorme.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.